Salut à toi la quête du 27 de cette nouvelle vidéo. Donc là on est à la compétition. Le lancer de disque va commencer pour les filles. L'échauffement. Les mecs. Oh putain mec, les meufs elles lancent. Hein. Notamment l'allemande, etc. Tous au-delà du 55. Hein. Voilà, de base, on s'échauffe à 55. Les mecs, on est à 60%, voilà, tu vois, parce que je suis avec les entraîneurs, tu vois, et du coup, avoir cette vision des entraîneurs, mais c'est waouh, putain. Oh, je suis choqué, putain. Je pensais pas que ça ferait autant d'effet d'être aussi proche et de voir des lanceurs. Oh là là, on va dessus là. Non. Voilà, au-delà des 60, voilà, pour les gens. Donc la compétition va commencer à 19h. Il est 18h33. Donc bien sûr, ils ont déjà passé tout ce qui est chambre d'appel, etc. C'est incroyable. Vraiment, je me disais au début, ouais, je veux les athlètes de haut niveau, je veux les voir quand je serai à haut niveau et tout. Mais juste juste le fait d'être à côté d'eux là, comme ça, aussi proche et tout. Et tu vois, la concentration, notamment de la cubaine, voilà, Yami, laisse tomber. Et aussi l'allemande est impressionnante parce qu'elle est très très grande. Et tu sens que ça part. Et après, ça accélère, gros. Oh, mais what? Mais c'est quoi ça? C'est là que tu t'es dit putain mais 55, mais 56 là j'ai honte les mecs, j'ai honte. C'est ridicule. Eux ils font ça à l'échauffement là, ils sont tranquilles là, à 55-56 voilà. Tranquillo. Vous avez notamment remarqué ma beauté, voilà, mais je suis mis au max, c'est vrai, mais bon. C'est moi qui suis impressionné. Voilà. Et là on voit nos responsables arriver. On a Arnaud et Émilie juste là. Ils sont là, voilà. C'est eux qui permettent au meeting de bien fonctionner. Donc tant mieux, c'est bien. C'est super. Et là, on va se rapprocher du 10 parce que ça va bientôt commencer là. Il est 19h38. Je suis trop pressé en fait. Faut que je me calme. Il y avait aussi une chose que je voulais dire justement, c'est qu'il y a une Française, donc Mélina. Mélina. Il y a une Brésilienne, il y a une Cubaine, il y a une Allemande, il y a une autre Française qui est Amanda. Et je crois que c'est tout au niveau nationalité. On a aussi une Portugaise et une autre dont je ne sais pas c'est quoi la nationalité. Je pense que c'est peut-être grec, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer, donc je ne dirai rien. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de leur échauffement, tu vois même la technique qui est beaucoup plus accentuée parce que quand tu lances le 1 kg, c'est beaucoup plus léger, donc tu peux être beaucoup plus technique, je trouve, que les autres disques tels que le 2 ou plus lourd, tu vois. Du coup, quand les filles lancent, elles doivent être beaucoup plus techniques et du coup, tu vois beaucoup plus la technique et du coup, c'est juste deux fois plus impressionnant en fait. Tu vois vraiment le passage de la hanche de façon abusée, quoi. C'est abusé, quoi, le coup de bassin. Le coup de bassin que les filles donnent, mais c'est... Waouh. Putain. Impressionnant. Et bien sûr, la cubaine aussi. Vraiment, c'est abusé. Moi, je trouve ça abusé parce que... pourquoi j'ai aussi un regard particulier sur la cubaine? C'est parce que mon entraîneur était cubain, voilà. Monsieur Santa Cruz Campos, voilà. Le maître. Et du coup, je retrouve beaucoup de points que lui me disait sous la technique qu'il y a en fait chez elle, en fait, tu vois. Donc, je sais pas, c'est comme si tu entends une musique, en sachant que tu es en Australie, une musique de Fanny des Antilles, et là tu te dis, ah putain, c'est des Antillais, tu vois, et tu te rappelles tout un tas de choses, tu vois. Voilà, c'est exactement le même effet, tu vois. Tu te dis, ah oui, c'est vrai, ah oui, il disait ça, ouais. Ça c'est marrant, j'adore. Voilà, et ils sont là-bas. Donc ils sont là-bas, ça va être la présentation. Ils sont 2, 4, 6. Voilà, ils sont 6. Apparemment, ouais, ils sont 6. Non, ils sont 7. Et la présentation va commencer maintenant, donc on va y aller tout de suite. C'est bon, la présentation est finie. On peut commencer aux hostilités. Que le combat commence. Et on commence avec l'Allemande.
peux vous dire, cette Allemande, cette femme, elle est plus grande que moi en taille. Hein. Donc je sais pas si vous voyez ma taille, mais voilà quoi, je la regarde comme ça quand même, tu vois. Voilà, pour vous donner une idée quoi. Et pour ouvrir le bal, elle a fait 56 mètres, 50, je sais pas combien, voilà. Après on a Amanda. Ah dommage. Dommage, ça c'était essai. Mais bon, c'était pas mal. Il y avait une intention. Mais voilà quoi, l'échauffement, enfin la première lanceuse au disque allemande, 56. Voilà, on assure. Oh là là, encore un essai. Et c'est une croate. C'est bon, j'ai vu la nationalité, c'est croate. Voilà, c'est bon. Là où il y a la championne olympique, tout ça, quoi. La Sarah Perkovic, quoi. Et là, on a. Tac, ça c'est la brésilienne. Qui a su mon valide de GS à 60 là, voilà, tranquille. Voilà, 62. Tranquille, tranquille le premier jeu, on assure, hein. Tranquille. Putain, eux ils assurent 62, voilà. On n'est pas dans le même monde. Hein. Bon, Mélina aussi essaie malheureusement. Et là, Yami qui va lancer. Regardez bien sa hanche, comment c'est abusé, comment elle abuse là-dessus. Genre, je trouve que c'est abusé. Genre. Tac. Tac. Wow. Ah non, même pas. Là, elle a pas trop utilisé, je trouve. Mais bon, je pense que voilà. Je pouvais malheureusement pas tout filmer parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, c'est la dernière fois que vous voyez ma tête. Et je vais essayer de profiter de l'instant parce que c'est juste incroyable. Je vais aller être aussi avec les entraîneurs, donc je pense pas que je pourrais filmer. Mais voilà, incroyable, 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 incroyable. Elles sont toutes petites, hein. Elles sont toutes petites de taille. Audrey qui fait la plus grande fait 1m65 max. Genre. Elles étaient toutes petites, c'est marrant. C'est marrant. Bref, allez, bisous à tous et à très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner. Hein, parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu as envie d'autres similaires ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas.